Et re, ah, j'avais promis, hein. J'étais chaud. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. On va pouvoir repasser dans une vraie qualité. Pas ce qui se passait encore là. Boum. Hop, appliqué, ok. On remet la qualité normale de stream. Je regarde ce qu'il en est, mais ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout, cette histoire. Excusez-moi. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Et revisir. Merci à vous d'être restés. Enfin, pour ceux qui sont restés, les autres, bah, j'espère que vous avez bien dormi. Ah, c'est Cléon! C'est avec Socrate, je pense qu'on va faire une suite de quêtes qui va peut-être nous permettre de dénoncer Cléon. C'est vrai que j'avais oublié Cléon, il me semble que c'est un mec du culte pour le coup. Bon, faut vraiment que je chisse les gars de l'attique. Il faisait bon dehors. Oh, la balade du chien, c'était un kiff. Petit vent frais. Très agréable. Re-re-re. C'est un beau cheval, Socrate. C'est un très beau cheval. Un cheval robuste, mais aussi un cheval volé. Ah. Socrate, le voleur de chevaux. J'entends déjà ce qu'on va raconter. Ça va plaire à Aristophane. Malheureusement, ces histoires seraient fallacieuses. Mais j'aimerais savoir si, ayant appris la vérité, tu penses toujours que l'histoire devrait être racontée. Et quelle est cette Personnellement, histoire? non, Wissot. L'homme Je responsable le du vol de kiffe, ce c'est pour ça qu'il est cheval en top 10. près d'ici. Je kiffe à J'ai quasiment réfléchi à ce tout. qu'il convenait de faire. Mais j'aimerais savoir ce qui, à toi, te paraît approprié. Et comment devrais-je prendre ma décision? Ton raisonnement t'appartient. Mais Ça, c'est génial, par parler au exemple. voleur pourrait t'aider à décider. Un tel crime peut-il être justifié? C'est une idée intéressante. Où est le voleur? Je lui ai dit d'attendre près de l'écurie, au sud-ouest. Si tu l'as surpris à voler un cheval, qu'est-ce qui te dit qu'il ne s'est pas enfui? L'espoir de garder le cheval, voyons. Et c'est là que tu interviens. Il te racontera la suite. Non, globalement, je pense que si, à la limite, s'il y a un truc, mais c'est lié au jeu Ubisoft et Ubisoft, il est trop facile. C'est là, c'est pas pour me la péter, hein, je te promets. J'ai jamais eu une vraie difficulté dans les jeux Ubisoft. Parce qu'ils veulent tellement être grand public que même leurs difficultés très élevées, elles sont pas très intéressantes. Généralement, ils blindent juste les trucs de HP en mode débile, tu vois. Le problème, c'est que moi, je suis un fan des Souls. Et résultat, en termes de difficulté, je trouve que c'est fantastique. Ou Ghost of Tsushima, tu vois, qui est un très bon action aventure avec une difficulté parfaite. La difficulté létale. Donc c'est voilà, c'est le truc qui est chiant, mais ça c'est tous les jeux bichiottes, c'est qu'ils savent pas faire une vraie difficulté. Ni enfin, c'est pas une question de facile ou difficile, c'est que c'est pas bien fait. Voilà. Mais c'est beaucoup de jeux. God of War qui est une merveille, hein, le dernier d'ailleurs qui n'est pas dans le top 10. J'ai beaucoup aimé, hein, God of War, mais je le mettrais pas dans le top 10. Je préfère God of War 3 que je trouve extraordinaire. Même si j'ai quand même beaucoup aimé God of War, peut-être top 20. Là où je veux en venir, c'est que le God of War, toi par exemple, c'est un jeu génial. Mais les difficultés, pareil, sont très très mal gérées. C'était. Enfin, t'es censé. Ah merde! T'es censé être un putain de dieu et. T'as des meufs parfois ridicules qui te butent, tu vois. Non, t'es le dieu de la guerre. Donc, c'est compliqué. C'est pas très dur la difficulté max, c'est juste une question de build. Du moment que t'as un build cohérent, ça passera très bien. Elle est bien l'épée, hein. J'ai eu l'épée là de Pausanias, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal, hein. Après j'aime bien mes daggers empoisonnés quand même. Alors, on peut encore tenir longtemps. Ah, y a du monde là. Parlez au voleur de cheval. Oh putain. Oh lui. Oh là là. Oh mais je l'ai tellement défoncé le mercenaire. Et je me fais éclater par le bibou.
sorti le resto à 22h30, 27 degrés. Oh, ça va, 27. C'est pas tant le 27 qui compte, c'est plutôt est-ce qu'il y a un air frais, tu vois. Donc, alors, attendez. Mais merde! Il ne faudrait pas qu'on assure. Oh, mais juste! Oh, putain. Il y a quelqu'un? Bon. Non, mais le voleur de cheval, ok, il se balade dans une base athénienne en mode détendu du clan, quoi. D'accord. Il n'y a plus de drop le chat, c'est trop bien. J'ai pu remettre une vraie qualité de live, il n'y a plus de drop, je suis trop content. Mais niquez-vous là! Eh ok, c'est carnage. Non mais j'ai compris hein, c'est l'option carnage. Ah merde, moins sympa ça, Zelios. J'étais au moins le petit vent frais là, je me suis dit, ah, oh, qu'est-ce qu'on est bien. L'animation de l'épée, elle est assez ouf en soi. L'animation du combat d'épée, elle est vraiment très très cool pour le coup. Je kiffe. Hein. Qu'est-ce que tu cherches? Tu viens de dire adieu à la vie. Un archer. Non mais la meuf qui m'attaque avec son épée là. Ouais, toujours les clodos qui s'en mêlent quoi, JTP. Je me demande si l'épée elle fait pas plus mal que la... Payez pour ça. Je vais t'ouvrir de la porte. Ah oui, je le one shot maintenant. Oh, oh. Oh la violence. Attends, c'est moi ou il a tué son propre loup? Le Mirko, attends, je comprends pas. Coucou! Oh, oh là là. Mais c'est vraiment un one shot sur one shot du. Ah. Ah merde! Non, non. Faut être comme moi, faut assumer. Assume ce que tu m'as dans le porn, posant le problème. Ah ouais, non mais les critos, c'est incroyable hein, depuis le... Allez, ta gueule. Oh là là, même là, quoi. 200 000 parties de la frappe héroïque, c'est... La violence. Inna l'entêtée, elle est morte. Hein. Allez, toi, viens là. Mais je l'avais déjà fait, je crois, en plus, cet endroit. Hein. Ouais, je l'avais déjà fait, sinon j'aurais, vous savez, les objectifs. On avait parlé au voleur de cheval. On va le trouver. Donc ouais, j'ai la suite de quête de Socrate et la suite de quête d'Alcibiade à faire. Et elles sont importantes, je crois, pour faire le mec qui me manque en Attique. Socrate m'a dit de venir te parler. Me faire prendre, c'est une chose, mais me faire juger par une mystios... C'est mieux qu'un garde d'Athènes. Oh, il lui prend pas trop sa gueule, lui. L'homme à qui je l'ai volé ne s'en rendra même pas compte. Ah bon? Il en a plein d'autres. Moi, mon seul cheval est mort la semaine dernière. Si j'avais eu de quoi m'en acheter un, je l'aurais fait. Alors attendez, extraordinaire. Véridique, hein. Véridique cette histoire, ça c'est fabuleux. Je crois que je vous l'ai raconté, mais bon, pour ceux qui la connaissent pas. Quand je louais ma villa, j'avais donc une meuf, une soixantaine d'années, qui avait bien sa vie et tout dedans. Enfin, elle disait qu'elle gagnait bien sa vie, c'est pas du mytho. Bref, pendant que donc, je louais la villa, ma grand-mère est décédée. Hein. Mais à un moment, plusieurs mois avant le décès de ma grand-mère, la meuf donc ne payait plus son loyer et elle a sorti aux voisins et tout. Parce que quand ça commençait, vous voyez, il y avait les huissiers mis en demeure, parce que bah, moi je voulais, voulais qu'elle paye son loyer, hein, je lui loue le truc. Franchement, je peux être compréhensif, ça peut arriver d'avoir des galères ou autre. Franchement, on fait un échelonnement et tout, il n'y a pas de problème, je suis pas chiant du tout comme proprio. Mais elle payait pas son loyer et elle arrêtait pas d'attaquer la maison en mode ouais, c'est la merde, il y a si, non, t'inquiète, il y a eu des problèmes avec la maison, on a fait les travaux, t'as un souci, à chaque fois elle contacte l'agence. Moi j'ai validé 100% les travaux qu'elle a demandé, hein, pas de souci. Et la meuf a sorti aux voisins. Quand ils ont entendu vent, comme quoi elle ne payait pas son loyer, ils l'ont justifié,
que ma grand-mère était décédée, ce qui était faux à ce moment-là, que dans ce cas, comme ma grand-mère était décédée, que j'avais eu plein de thunes, et comme j'avais eu plein de thunes, elle avait plus besoin de payer son loyer. Elle sort ça à mes voisins, s'il te plaît. Détendu du gland. Enfin, détendu de la nuit, là, en l'occurrence. C'est connu, parce que la personne, elle a eu un décès, donc de l'argent, elle a plus besoin de payer le loyer. Bah donc les grosses boîtes qui gagnent des millions n'ont pas besoin de leur payer leur loyer, bien sûr. J'ai assez d'éléments pour prendre ma décision. J'espère que tu comprends. Voilà, tu moi ça m'avait fait, ça m'avait fumé honnêtement. Alors, oui, je comprends, meurs. T'es un voleur. Oh voilà. Retournez voir Socrate. Ah bah j'ai exécuté le voleur. Hein. On est en Darkrun, hein, mesdames et messieurs. Elle doit être copine avec la voisine. Non mais c'était incroyable. Je te jure, quand la meuf de l'agence m'avait dit ça en fait, parce que imaginez que la locataire avait dit ça au voisin et avait osé dire ça à l'agence. Enfin, c'est-à-dire que quand l'agence elle lui dit écoutez, nous, enfin voilà, ça fait quand même, vous avez trop un loyer de retard et tout, elle leur a dit ça comme prétexte. Pourquoi elle payait pas? Parce qu'elle avait plus besoin, parce que ma grand-mère était morte et que j'avais hérité. Et en plus c'était faux, ma grand-mère était même pas morte à ce moment-là. Et quand bien même, incroyable, incroyable. Voilà. As-tu choisi ce qu'il faut faire? Il devrait rendre le cheval, il devrait garder le cheval. Rendre. Peu importe pourquoi il a volé le cheval. Il appartient à quelqu'un d'autre. Une fois de plus, tu me surprends. J'aurais cru que tu choisirais l'autre camp. Non. Parce que je suis Mystios. Bien sûr. Pourtant, lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre, tu décides que le méfait mérite un châtiment, quel qu'en soit le motif. C'est un choix sûr, mais qui ne me paraît pas toujours approprié. La vraie question zéro. Est, ma c'est une pourriture, hein, Zeus. Vraiment? Ou est-ce encore une occasion de savoir ce que je ferai? Il est possible que ce soit les deux. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Tu fais exprès de te montrer nébuleux. J'ai encore une chose à te demander. Si un homme tue une personne pour en sauver plusieurs, peut-on considérer que son acte est juste ou que cet homme doit être puni? Le résultat est peut-être louable, mais l'acte qu'il commet demeure un crime. C'est vrai. Mais s'il est jugé par des hommes, en particulier ceux qu'il a sauvés, ils peuvent prétendre l'acte répréhensible, mais nécessaire et juste. Je ne suis pas sûr que la loi s'intéresse au motif. Mais si nous devons décider si la loi doit punir un homme ou pardonner son crime, il convient de tenir compte de la justesse de son geste. Ne crois-tu pas? C'est bientôt fini. Je n'ai pas toute la journée, moi. J'entends bien. C'est un luxe que bien peu peuvent s'accorder. Et ceux qui en ont le temps sont souvent dépourvus des capacités requises. D'accord. Il est génial, Socrate. Le best. Ok, pas de nouvelle quête ici avec lui. On va donc ça se trouve, faut que je m'associe avec Alcibiade. Parce que vous voyez, en gros, j'ai ce mec-là du culte. Un adepte possède une carrière et des esclaves en Attique. Il faut aider les populations. Tu as retrouvé la maison dans un bon état après son départ. Oui, heureusement, ça va. Ah, Socrate. Ah bah tiens, et à côté de la carrière. Bingo. Ça doit être lui là-bas. Ouais, ouais, heureusement, elle a rien fait. Alors, en bon état, elle a rien fait pour la maison, ni en bien ni en mal. Elle a rien fait de mal, franchement, à un moment, j'avais peur qu'elle chie sur les murs et tout, il y a tellement de délires. Mais elle a rien entretenu, par contre. Genre, il y avait des trucs, quand il y a eu besoin d'entretien, de jardin, genre de choses, qui sont à la charge du locataire. En fait, le jardin, tu le laisses pas. Un truc qui pète, tu vois, moi, par exemple, je sais pas, il y a eu un truc de tuyauterie ou autre, qui cambrie, bah je paye, ça c'est normal, je suis proprio. Donc, ça, enfin, tout ce qui concerne l'état de la maison, je paye. Mais quand tu loues une maison avec jardin, tu prends soin du jardin. Enfin, tu vois, moi, si je loue un truc avec un jardin, j'attends pas à ce que ce soit le proprio qui vienne passer la tondeuse le week-end. Bah non, c'est à moi de le faire si je loue. Enfin, après, j'ai peut-être une vision bizarre, hein, mais pour moi, ça s'appelle du bon sens. Et donc, elle a rien fait pour ça. C'est juste ça, c'était juste un peu relou. Mais sinon, heureusement, non, rien de problématique. Ok, je pense que c'est là la dette qui va être liée à la quête de Socrate qui est à côté de cette carrière-là. C'est parti. C'est parti. Ah, mais je suis en combat avec des gogoles là-bas. Mais c'est quoi ces gogoles? Attendez, là.
Des mecs d'Arès? Oh, il devait venir de là, mais j'ai déjà fait ce camp. Oh. Bon. Ah bon? Un petit crachat. On invite les gens à regarder notre châtiment maintenant? C'est une nouvelle sorte d'humiliation. Je ne venais pas regarder. Je t'ai vu par hasard. Ce que tu as vu, c'est un homme qui avait racheté sa liberté, mais qu'on garde comme esclave. On a le droit de faire ça? Mon maître m'a fait savoir le prix de ma liberté et j'ai économisé cette somme. Maintenant que je lui ai donné les drachmes, il prétend n'avoir jamais conclu ça. Ah, le salaud! Pas mal. Pas mal, le maître. C'est injuste. Bon sac à merde. Allez lui parler. C'est vrai? Tu ferais ça? Je m'appelle... Enfin, mes prières. J'ai été envoyé par les dieux. Oui, parce que tu m'as... Ah non, merde, je voulais pas qu'elle dise ça. Je sens quelque chose en toi. Bon, c'est pas grave. Tu es différente. J'aime à le croire. Ah, Dieu ou pas, je te remercie. Mon maître devrait être près de la mine d'argent. Je vais parler à ton maître. Écoutez, ce n'est pas vraiment son genre. Oh oui, mais... Avec moi, il le sera. J'adore l'assurance qu'elle a, Cassandra. Qu'est-ce que je kiffe. La valeur d'une vie. Parle au propriétaire de l'esclave. Oh, je vous parie qu'il va écouter Cassandra. Il va être très très à l'écoute d'un coup. Hein. Je suis prêt à prendre les paris. Ah oui, c'est le mec qui vient de lui cracher dessus en plus. Tu as des muscles, toi. Si tu cherches du travail, j'ai besoin de mon... Bah c'est lui, je crois, le mec du culte, justement. Je suis déjà en train de travailler. Je dois te parler de Phaidon, l'un de tes esclaves. Comme si je connaissais leur nom. Tu me fais perdre mon temps. Je ne devrais même pas être là. C'est toi qui me fais perdre mon temps. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas parlé comme ça. La voix va pas du tout. Allez, avec le visuel, je trouve. Tu m'amuses. Phaidon t'a payé pour retrouver sa liberté, alors donne-la-lui. Ça ne me rappelle rien. Mais je suis d'humeur généreuse. Fais quelque chose pour moi, et j'accorderai à ce Phaidon sa liberté. Quoi donc? J'ai besoin qu'on aille tuer une femme. Ça ne facilite pas la ouais. vie de sa famille, mais le culte de Cosmos l'exige. Tu fais partie de ce culte? Si c'est vrai, tu dois savoir qui je suis. Tu es plus intelligente qu'on ne le dit, mordeuse d'aigle. Donne-moi une raison de ne pas te tuer sur place. Tu pourrais. Mais si je meurs, ton ami restera un esclave. Et je suis le seul à savoir où sont ses documents. Il oublie un truc important. Il ne sait pas que je suis en Darkrun. Et que j'en ai rien à foutre du clodo qui est en train de crever là-bas, moi. Je vais m'en aller. Tue cette femme ou non, c'est à toi de décider. Mais c'est le seul moyen de libérer ton ami esclave. La liberté de l'un implique la chute de l'autre. Certains parmi nous n'ont aucune idée de ce que sont le bien et le mal. C'était le cas de l'homme appelé le maître, une abomination à forme humaine. Il ne gérait pas sa carrière et son cheptel d'esclaves pour s'enrichir financièrement, mais pour se procurer des informations qui seraient utiles au culte. Les marchands qui venaient le voir lui apportaient des vérités dont il faisait ce qu'il entendait, et repartaient avec les mensonges qu'il leur confiait. Hey, le maître. Voilà. Je crois qu'il a... On est bien d'accord que là, en termes de Darkrun, rien à foutre du clodo, qui vive sa vie, et on le massacre juste direct. Hein. En plus, j'aime pas faire le... Parce que la femme que je tue, en soi, j'en ai rien à foutre. Mais, si je les tue, c'est parce qu'ils me cassent les couilles, ceux que je connais pas. On va pas tuer tous les clodos du coin, hein. Pas le temps. Ok, alors, attendez, ouais, on va voir ça. Ah. Cassandra. Ah, Socrate. Quelle chance avions-nous de nous rencontrer ici? Je n'appellerai pas ça de la chance. Ah, alors tu préfères que nous parlions plutôt du sort? Non, pas vraiment. Tant mieux, car j'ai autre chose en tête. Après, j'adore Socrate. Mais on va... En fait... Je dois quitter l'attique pour me débarrasser de toi. J'ai l'impression de te voir partout. C'est très étrange, mais pour répondre à ta question, oui, quitter l'attique... Il est premier degré, c'est génial! Alors qu'as-tu entendu au juste? Oh, mais tout! Tu as un choix très difficile à faire. Combien vaut la liberté d'un homme? Crois-tu qu'une vie ait plus de valeur qu'une autre? Les gens ne sont pas égaux, même si nous aimerions qu'ils le soient. Alors, tu dirais, par exemple, que ta vie vaut plus que celle d'un autre. Dans ce cas, admets-tu aussi que la vie de certains est plus importante que la tienne? Pour eux, oui. Les personnes vaut plus que la mienne.
Alors, en tant que Cyril, Aiske, je répondrai le deuxième, parce que je parle du principe que ma vie vaut mieux que la vôtre, et vous devez partir du principe que votre vie vaut mieux que la mienne. Pour moi, c'est du bon sens, en fait. On essaie d'un peu de penser à notre gueule et à nos proches, et ça sera déjà pas mal. Si on essaie de faire ça, pour moi, le monde serait déjà meilleur. Mais en Darkrun, grosse connasse... Ne compte pas sur moi pour dire que quelqu'un mérite plus de vivre que moi. Mais cela contredit ton argument précédent. Sauf, bien entendu, si tu te considères comme la personne la plus digne de vivre parmi tes contemporains. Je crois que j'en ai assez dit. Ah, tu as raison. Tu as affaire, je sais, et ton esprit est épuisé. Oui, c'est à peu près ça. Alors va. Ça a été un honneur d'avoir ces discussions avec toi. Pour moi aussi, Socrate. Tuer la femme ou décliner la proposition. Qu'est-ce que tu veux ? À propos de ta demande. As-tu décidé d'abandonner ton ami esclave ? Si c'est le cas, je ne t'offrirai pas d'autre chance. Je ne vais pas tuer quelqu'un pour que tu libères Phaidon alors qu'il devrait déjà être libre. D'accord. Je trouverai quelqu'un d'autre pour la tuer. Et Phaidon restera mon esclave. Il sera bien récompensé pour m'avoir fait perdre autant de temps. Tu peux pas engager quelqu'un d'autre si t'es mort. Eh ouais. Vous ne priez pas Dieu, vous attaquez à ma famille. Voilà. Et merci beaucoup Sky pour le 26e mois d'abonnement. Tu viens de faire ta journée. Tu bosses dans quoi? Ça a été violent. Ok, donc membre du culte. Et on va pouvoir aller se faire un sage, le chat. Le sage est un espion, dur mais l'ombre. Il en attique dans une agora, Nyx. Et il lâche des dagues à guerrière. Prépare. Ah! Attends, toi aussi? Ah non. Nul ne peut échapper. Je confonds avec quelqu'un d'autre. Les yeux de Cosmos. Les yeux voyaient tout. Mais elles étaient, étaient dirigées par une femme que bien peu avait aperçue. Comme on pouvait le supposer, Nyx n'était que l'un des innombrables surnoms de l'ombre. Chacun est accompagné d'une personnalité, d'une vie et d'une histoire. Le culte avait besoin d'un agent anonyme, sans visage, capable de se rendre partout. Et l'ombre était cet agent. Alors, où est-ce qu'elle est de beau? Oh, elle est en attique! Ah, mais elle est détendue du... Ça marche. Elle est détendue du gland, la meuf. Regardez ça, elle est en plein Athènes. Pépouze. Pépouze au milieu d'Athènes. Très tranquille. Bah écoutez, ok. C'est... écoutez, elle est forte, hein. Elle est très très forte. Bah écoutez, on va la fumer. On va la fumer. De toute façon, là, faut que je continue de death pour l'instant, ce que je gagne. Ah non, c'est dégâts. Oh, ceci, le bâton, il est quand même pas mal, hein, putain. Assassin. Mais là, le légendaire, avec les bonnes runes, c'est le feu. Ah, j'ai le full set vipère, tiens. Ah, je vais l'équiper pour voir. Alors, le set vipère. Ouais, il est pas mal, il ressemble quand même un peu au set pirate. On va voir un petit peu ce qu'il fait de beau. Alors, dégâts d'assassin toxique, dégâts d'assassin élémentaire, dégâts d'assassin dégâts de poison, dégâts d'assassin poison et durée toxique. Ok. En vrai, il est pas mal, hein. Surtout avec mon build actuellement. Lui, c'est probacrit à pleine santé. Ok, alors lui, pour être pas mal, si je voulais justement être en mode poison. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Par rapport au pirate qui, lui, est mieux pour l'assassinat. C'est ça. Mais donc ça veut dire que si je veux me battre par exemple contre les boss en mode assassin poison, le set vipère peut être pas mal pour leur mettre très très cher avec le poison. Attends, je check. Et coucou Arkin. Alors tu parles de... Ah, tu parles de Nyx. Ça dépend. Attends. Non, c'est des dégâts de guerrier. Alors oui, par contre, la rune est bien. 40% de dégâts pour attaque par derrière, la rune est très très bien. Mais la dague, c'est des dégâts de guerrier. Après, elle serait bien si je lui mets le truc de poison à la dague. Justement, en poison, en combat. Parce que ça serait des dégâts de guerrier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, par exemple, pour les boss, il faut que je sois en mode dégâts de guerrier et pas dégâts d'assassin. Enfin, je suis appelé dégâts d'assassin, c'est pas grave. Hein. Après, le 40% de dégâts d'attaque par derrière, bof. Ah, c'est compliqué. Je
récupérer la rune des gars. Ouais. La rune, par contre, oui, ça aurait été le coup de le mettre sur mes armes. De toute façon, je vais aller la buter, là. Tout à fait. Ah, là, on approche vraiment de la fin, hein, le chat. Hein. Je lui dis, là, je suis à une quête hein, d'aller me combattre des mots, donc faire la quête de la mer. Demain, je finis Lesbos. Là, je suis en train d'avancer dessus, justement. Donc, on approche vraiment de la fin du run principal. Attendez, on va repasser en run pirate. Parce que là, le but du jeu, c'est de faire les assassinats, par contre. Mais ouais, en combat, ça va être pas mal. Non, merde, tac. Le pirate. Voilà. Petite sauvegarde.